longtemps je les attends là. Donc sur ce, c'est parti. Lâchez un like, abonnez-vous, commentez, partagez, regardez jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi mes colis justement. Sur ce, c'est parti. On va commencer avec celui-là. Moi, je me fais texter comme ça, ça peut pas. Commençons avec celui-là. C'est mou. C'est peut-être un chandail. Un vêtement pour moi. J'ai aucune idée c'est quoi. Ok, je sais c'est quoi. Oh. Attends, faut que je le... Est-ce qu'il me fait... C'est parti, j'ai changé l'angle. Vous allez me dire dans les commentaires si vous préférez cet angle-là, ou l'angle comme ça, ou qu'à la table là-bas. Je m'en rappelle pas. Maintenant, ça je trouve trop stylé. Je vais ouvrir les colis et je vous montre ça tout de suite. Alors, faut savoir le colis plus gros. Comme hier, un peu. J'ai hâte de voir... Combien de colis là-dedans? Ok, on en a 3. Déjà, je pense qu'il y en a un là-bas, là, j'ai touché, ça ressemble à une figurine. On va dire encore des vêtements, c'est tout mou. Si c'est ce que je pense, c'est incroyable. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, les gars. Ah, je pense que c'est ça. Oui! Oh, par contre, je sais... Oh, ça a l'air pas du tout de faire ma grandeur. Les gars, c'est un putain de veste Jojo. Attendez. Il faut que je l'essaye. Bon. Je suis pas trop veste, les gars. Je suis plus que ton raté. Ah mon dieu, elle est petite. Ouf. Ça va être à mon gosse. La capuche, elle est toute petite. Si je l'attache, oh, la vraie question. Est-ce qu'elle marche si j'attache? Elle fait petite. Vraiment, j'ai l'impression que si je lève mon bras, je vais la déchirer. Et Théma derrière. Théma. Stylé, non? Truc de Jojo. Je trouve ça pas mal, je trouve ça stylé, mais... Je la trouve petite. Ah, je la trouve petite. Je reviens, donnez-moi 2 minutes. Je suis allé me raformer. Elle est petite. Vraiment, les gars. Ouh, j'ai pas vu ça. Stylé. C'est un ocean. Stylé, stylé. Pareil de l'autre côté. C'est écrit pareil. Ouais, c'est un ocean. Pas mal. C'est pas la meilleure saison, mais pas mal. Moi, je l'ai sûrement pris parce que c'était Jojo, tu vois, c'était écrit. Oh, t'es mal. Les gars, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Chanel, on l'a rasé. T'es mal. T'es mal, Laura. Oh, la vieille bestiole. Oh, la vieille bestiole. Allez, va là, toi. Par contre, tu touches pas à ça. Ça, c'est... Pour l'instant, c'est mon meilleur colis de la journée, ça. Bon. Il nous reste 2 colis. Je pense qu'il nous reste une figurine. Et l'autre, je sais pas c'est quoi. Comment je sais si c'est une figurine? Bah, il y a le papy bulle. Tu vois, le gros papy bulle que je connais, là, lui. Allez, là, on va mettre celle-là. Parfait. Allez, prochain. Bon, bah, j'imagine, on va prendre la figurine. Ah, ouais, ça vient du Japon. Ok, tout ce que je commande, les gars, là, ça vient que du Japon pour l'instant. C'est pour ça que ça prend du temps à venir. Mais tellement comment il est emballé le truc, c'est. On dirait pas que c'est une figurine, tu vois ce que je veux dire. Bon, on va l'ouvrir comme ça. Oh putain! En plus,
Ça fit avec la veste. Je pensais pas que ça aurait été celle-là que j'aurais eu en premier. Le problème, c'est que tu vois, elle est dans une boîte. Est-ce que j'enlève la boîte? Je pense pas, tu vois. Les gros collectionneurs, les gars, ils enlèvent jamais la boîte. Ouais, la boîte est défoncée, là. En fait, c'est Mikey. C'est Mikey que je peux lui que qui est sur une moto, en fait. Il est personnalisable. Je suis en train de checker les instructions. Écoutez, c'est en japonais pur. Le problème, c'est que la boîte, elle est maganée. Regardez en haut. La boîte ici, c'est un peu plus renfoncé, c'est pas tellement droit. Ici, il y a une bosse. Ici, c'est défoncé, tout là. Tu sais que si, par exemple, je te fais un truc comme ça, tu vois, c'est pas droit. Regarde déjà là. C'est pas droit là. Ça fait un C le truc. C'est pas droit. C'est défoncé ici. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que je le garde dans la boîte ou j'enlève la boîte? Dites-le-moi dans les commentaires. Bon, passons au prochain truc. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas ce que je pense. Je pense que je sais c'est quoi. Et ça se trouve dans mon étagère. Juste là. Je pense que si c'est ça, c'est incroyable. Parce que ça fait longtemps. C'est pile ça. Oh, let's go. Let's go. Ça fait un bail, les gars, on n'a pas fait une vidéo là-dessus. Et évidemment, avec grand plaisir, là, je vais en faire une. Juste après, je commence. C'est une vidéo partie, ça va être deux parties. Là, c'est la partie où j'ouvre les colis, tout. Et là, oh, ça va être trop bien. Putain, ça s'ouvre pas, par contre. Ouf, il m'a défoncé le doigt, là. Ouf. Ce colis de merde là et... Alors voilà. Oh, je vais le défoncer. Et ouais les potes. Et ouais les gars. Pour eux qui n'ont pas encore deviné, ok, je vous fais patienter un peu. Et il est bien compact, hein. Il m'a coûté cher en le coup. Est-ce que c'est la même? Ça ressemble pas à la même. Est-ce que c'est la même? Ouais, c'est la même, sauf que celle-là, les gars, elle est vraiment sous blister, tu vois. Théma. Un petit Jojo, les gars. Une boîte. Moi, ce que je veux, c'est de trouver la fameuse carte de Giorno Giovanna avec son stand Golden Experience Requiem. Alors là, si je l'ai, les gars, j'arrête la série tant que je l'ai pas trouvé. C'est incroyable. Alors, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. Ce que j'ai reçu ça. J'ai reçu l'autre chandail. Et j'ai reçu la fameuse figurine qui m'a coûté un bal. Hein, putain, ça m'a coûté cher tout ça. C'est japonais aussi. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouvera très prochainement pour jouer ce colis-là. Bon, en fait, je le fais maintenant, mais on se reverra très prochainement pour la suite. N'oubliez pas de partager, commenter, liker. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. Allez, ciao les gars. Bye 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 bye. Fujimi. Kurofuji. Stand Power.